Monsieur le Président, Madame la Ministre, mesdames les rapporteurs spéciales et pour avis, chers collègues, les deux missions que nous examinons aujourd'hui sont essentielles puisque leur objet est de mettre en œuvre les financements de la politique nationale de santé et de solidarité par le gouvernement. Il s'agit donc de mettre en cohérence des crédits et les dispositions prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Concernant la mission solidarité insertion, Égalité des chances, nous nous félicitons que les crédits soient revus à la hausse pour la troisième année consécutive. Cette augmentation de près de 1,6 milliard s'inscrit dans la droite ligne des actions engagées par le gouvernement et la majorité depuis deux ans et demi, visant à pérenniser et à approfondir des mesures de justice, d'équité, d'inclusion sociale et territoriale. Concrètement, cela se traduit par la revalorisation de la prime d'activité dont le montant maximum est augmenté de 90 euros depuis le 1er janvier 2019 et dont le champ des bénéficiaires a été élargi. Ce mécanisme est efficace et son succès est indéniable. Ces crédits entérinent par ailleurs la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés qui sera portée à 900 euros par mois à compter du 1er novembre prochain. Le déploiement de la stratégie National de lutte contre la pauvreté, dont les premières dispositions commencent à entrer en vigueur. Enfin, la consolidation des financements alloués aux actions de promotion de l'égalité entre femmes et hommes. Le groupe Modem soutient pleinement ces orientations qui impacteront positivement nos concitoyens, nos concitoyens les plus fragiles. En ce qui concerne la mission santé, je focaliserai mon propos sur ce qui constitue l'essence même de ces deux programmes. La prévention et la question de l'aime. Sur la prévention, notre groupe se félicite que le programme 204 soit accompagné cette année d'un document de politique transversale permettant enfin d'avoir une visibilité sur l'ensemble des financements ministériels qui concourent à la politique de prévention santé. Cette orange budgétaire, dont nous avons été à l'origine, avec d'autres groupes de cette Assemblée, témoigne de l'utilité des initiatives et travaux parlementaires transpartisans conduits depuis deux ans sur la question de la prévention. Pour poursuivre cette dynamique, nous proposerons cette année de poursuivre cet effort de visibilité des moyens destinés à la prévention, notamment pour les collectivités territoriales et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Ce jaune budgétaire sera la pierre manquante pour lever les zones d'obscurité encore trop importantes sur les financements de la politique de prévention nationale. Et nous vous remercions par avance, Madame la Ministre, de l'avis favorable que vous nous donnerez, que vous donnerez à cet amendement. Euh, sur la politique migratoire, l'AME, aide médicale d'État pour les immigrés en situation irrégulière, et la PUMA, protection universelle, maladie pour les demandeurs d'asile. Chacun l'aura compris, ce sujet attise les passions puisqu'il fait écho aux conceptions philosophiques inhérentes à chacune de nos familles de pensée politique. Toutefois, plus que pour n'importe quel autre débat, il nous faut ici savoir raison garder. Tout d'abord, nous tenons à saluer le maintien des moyens financiers nécessaires à cette noble et essentielle mission qui répond à des objectifs humanitaires et de santé publique et qui fait honneur à notre pays. Les mesures annoncées par le gouvernement, à la lumière du rapport IGAS IGF, constituent une réponse à des problèmes identifiés et apparaissent pondérées et équilibrées. Pondérées car le dispositif actuel garantit pour les bénéficiaires de la ME le niveau de soins, le niveau du panier de soins qui reste inchangé et qui pourront toujours bénéficier de l'accès aux soins pour les situations les plus urgentes. Madame la ministre, merci. Équilibré car les dispositions proposées par le gouvernement visant à aligner le mécanisme de la PUMA sur le droit commun <coughs> va permettre aux caisses d'assurance maladie de s'assurer de la bonne adéquation entre certains soins délivrés aux bénéficiaires et leurs besoins. L'ensemble de ces mesures ne remettent donc en aucun cas la philosophie humaniste de ces aides. Elles ne sont pas d'ordre comptable, mais veulent seulement contrôler une migration ayant un but médical non urgent et donc de lutter contre les abus et la fraude. Ainsi, le groupe Modem votera donc sans aucune réserve les crédits de ces deux missions. Je vous remercie.